Je suis Clémence, j'ai 22 ans et je suis tout juste diplômée du programme Grande École de Neoma Business School. J'ai fait le campus de Rouen et aujourd'hui, ça fait 4 mois que je suis à Taïwan pour une mission humanitaire juste après mon diplôme. Donc après mes 2 ans de prépa, j'ai intégré Neoma à Rouen. Pourquoi j'ai choisi Neoma? Pour différentes raisons. Tout d'abord, j'avais un étudiant qui était venu me parler de Neoma. Il avait un aspect très humain sur les amis qu'il a pu rencontrer, les associations auxquelles il a pu participer. À Neoma, c'était le lieu où on pouvait s'épanouir, on pouvait davantage se trouver soi-même. Et c'est vrai que c'est la seule école où j'ai pu voir des gens qui avaient les yeux qui pétillaient quand ils me parlaient de leur école. J'ai fait ma première année de licence classique et après j'ai fait 2 ans d'alternance en rythme 3 semaines, 1 semaine. J'ai fait ma première année d'alternance à la Société Générale en événementiel et ensuite j'ai changé d'alternance pour faire ma dernière année au sein de Seabird, qui est un cabinet de conseil en finance. J'étais dans le recrutement et dans le business et donc je viens juste de terminer mon Master 2 à Neoma. Aujourd'hui, ça fait depuis 4 mois que je suis à Taïwan. Je suis venue à Taïwan pour une mission humanitaire. Donc je vis au quotidien même avec des migrants philippins. Il faut savoir qu'à Taïwan, il y a beaucoup de migrants et qui viennent pour des raisons financières, notamment des Philippins, et qui vivent aujourd'hui des conditions de vie et de travail assez particulières, en plus du fait d'être loin de leur famille. Et donc mon rôle dans ce centre, c'est vraiment plutôt un rôle de présence. Donc c'est vivre avec eux, c'est rire avec eux, chanter, danser, pleurer, discuter, enfin, c'est vraiment être un peu comme leur petite sœur ou être un peu comme leur amie. Et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir partir en humanitaire après mon diplôme. Il faut savoir que depuis toute petite, je voulais partir à l'aventure, donc c'est un peu une aventure de partir aussi loin. Faire de l'humanitaire, ça avait un vrai sens pour moi, c'était un moment pour donner du temps pour les autres, mais aussi pouvoir me laisser toucher par un environnement, un contexte particulier, comprendre d'autres problématiques et pouvoir apporter quelque chose de moi qui est différent de ce que je peux apporter en entreprise. Parce que c'est pas vraiment des compétences, mais c'est plutôt des valeurs que j'ai et simplement mon savoir-être en matière. Faut savoir que moi ici à Taïwan, je vis avec des Philippins, donc c'est comme si je vivais une double culture. Et même on peut parler presque d'une triple culture dans le sens où j'ai la culture philippine, j'ai la culture de migrants, et en même temps, je vis dans la culture taïwanaise. On ressent que les Taïwanais sont habitués à une certaine discipline, à un certain ordre, à un certain respect. Alors ça peut paraître étonnant après une école de commerce de partir en mission humanitaire. Normalement, moi je vois un vrai lien entre les deux. En école de commerce, j'ai appris beaucoup de compétences dures, on va dire, mais j'ai aussi appris à savoir prendre de l'assurance, savoir m'épanouir, savoir quelles sont mes qualités, quels sont mes points forts. En fait, la vie, c'est pas uniquement que professionnel. Et dans cette mission, je vois un aspect beaucoup plus relationnel, beaucoup plus humain. Mais toutes les valeurs que j'ai pu apprendre sur moi et ce que je voulais être en école, c'est toutes des valeurs que j'utilise à fond ici à Taïwan et que je voudrais utiliser évidemment à mon retour en France. Et si je devais donner un conseil aux prépas qui regardent cette vidéo, c'est vraiment aller au bout de ce que vous faites, soyez fiers de tout le travail que vous donnez en prépa, croyez en vos rêves et donnez tout ce que vous pouvez pour les réaliser.